Encore aujourd'hui, une belle fin de semaine qui s'est passée dans la région de Berthierville. Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue à votre bulletin de nouvelles du lundi 20 août 2018. Eh bien oui, encore une très belle fin de semaine, très occupée dans la région. En commençant, vendredi avait lieu le tournoi de golf, justement annuel de EBI, dont le thème est toujours « Aidons la jeunesse ». En premier lieu, regardons un court résumé, justement en vidéo, des participants et de l'ambiance qu'il y a eu sur le terrain de golf, malgré la fin de la journée un peu de pluie, mais je crois que tout le monde était bien content de leur journée. Donc, comme vous l'avez pu constater, les gens étaient très heureux d'avoir participé à cette activité-là qui s'est conclue justement par un souper. Lors du souper, on a eu la chance d'avoir comme humoriste Réal Bélan qui est venu faire une prestation. Et à la fin de la soirée, il y a eu la remise du montant qui a été accumulé lors de ce tournoi. Écoutons justement l'annonce de ce montant. Vous donnez le montant de notre journée dans le fond. Audrey, Camille, on vous invite à la reine. Vanessa qui me donne tout un coup de main. Non, oui. Yves, spécialiste du golf, FBI, Golf Town lui-même, qui est toujours présent pour me donner un bon coup de main depuis 22 ans, depuis la première édition. Merci Yves, je vous ai appelé ça. Audrey, merci. On va faire ça pour. On va tourner ça pour vous donner le montage final de notre journée. Je vais vous laisser faire les films, moi je suis vraiment mal installé. Donc aujourd'hui, on a recueilli mon montant, gagné un montant, ou fait un montant, ou grâce à vous, on va remettre un montant. On parle d'un montant que j'avais hâte de savoir, donc voici le montant. Et voilà, il s'agit de 50.
Probablement aux mêmes dates, avec la même température, avec les mêmes passeurs, avec le même prix, avec la même bouffe, avec le même humoriste. Donc, on vous souhaite très bon retour et là, soyez prudents, rassurez-vous que. Donc, félicitations au groupe BI, justement, d'avoir amassé tout cet argent. Et on rappelle que normalement, début septembre, il devrait avoir une distribution officielle du montant. Justement, aidons la jeunesse qui aide ici vraiment les organismes de la région, justement, à aider justement les jeunes à bien performer durant les journées scolaires. Maintenant aussi, à Saint-Jacques-de-Montcalm, avaient lieu les fêtes gourmandes et justement, les propriétaire de la courgerie à Sainte-Élisabeth, les jardiniers gourmands en ont profité pour faire un lancement de livres. Écoutons un petit peu ce qu'ils avaient à dire. Depuis pour la tournée des chefs, j'ai le plaisir de faire le tour du Québec à cuisiner avec vous avec des merveilleux produits, recevoir des amis aussi sur scène. Ben oui. Comment vas-tu, Pascal? Je vais très bien. Je vais te présenter quelqu'un que j'adore. Ah, ben écoute, vas-y. Ben, on va se présenter, s'il y en a qui ne nous connaissent pas d'abord et avant tout. Je suis Pascal Coutu de la Courgerie. Pierre Tremblay, de la Courgerie également. Vos jardiniers gourmands. Et on a l'immense plaisir aujourd'hui de vous présenter le troisième tome des jardiniers gourmands. Et pour vous présenter ça, j'invite ma belle Ingrid Rimazeil, qui est notre éditrice chez Goélix. Bonjour tout le monde. C'est bon? Oui, Bon matin tout le monde, bonjour. Ben moi j'ai l'immense honneur déjà de fêter le sixième livre avec les jardiniers gourmands, avec Pascal et Pierre. Le deuxième qu'on lance dans le cadre des fêtes gourmandes. Et ben, au début, évidemment, vous les connaissez beaucoup parce que c'est la courgerie, on va appeler ça comme ça, les experts des courges. Mais Pascal et Pierre sont assez enthousiaste, motivé et toujours partant pour de nouvelles idées pour élargir leur expertise ou, quand ils ont des idées, se munir de collaborateurs qui ont l'expertise qui peut-être leur manquerait ou donnerait une coche de plus. Et de là est née en fait une collection qui s'appelle Le Meilleur d'ici. On a eu Le Meilleur des courges évidemment qui était le premier de la collection. Le deuxième est sorti ce printemps qui s'appelle Le Meilleur du potager que vous avez là-bas. Et nous sommes réunis aujourd'hui pour lancer donc le troisième, comme le disait Pascal, Le Meilleur des pommes. Alors, avant de laisser la parole aux personnes qui conceptualisent les recettes et qui vont nous ravir et régaler nos papilles dans quelques instants, ben, je voulais vous dire merci, les jardiniers gourmands. Merci de nous faire confiance à Goélix pendant 6 livres. Merci de nous faire partager et rencontrer des gens comme Jean-François et Nathalie qui vont avoir la parole dans pas longtemps. Qui permettent justement de découvrir les richesses de notre pays et de nos richesses gourmandes et que vous les transformiez en richesses encore plus gourmandes pour vous satisfaire. Alors merci. Benjamin, je vais te le passer la coque, je ne sais pas comment on dit. Donne le micro à Pascal, etc. Je vous souhaite d'excellentes fêtes gourmandes et un excellent lancement ici. Et voilà. Merci. Merci. On est allé avec un petit peu d'ail. De la mie de pain et des fines herbes, évidemment, basilic, persil, coriandre, sel et poivre. Et au gratiné, on a fait une petite sauce pour le gratinage avec du jus de pomme, bouillon de poulet, fécule de maïs, un petit peu, une touche, mozzarella et parmesan râpé. Okay? Donc, félicitations justement aux jardiniers gourmands de la courgerie à Sainte-Élisabeth là, pour le lancement de venir. Sur place aussi, nous avons eu la chance de rencontrer le directeur général de l'eau de source Amaro qui nous a parlé de l'importance d'encourager son entreprise.
En compagnie du directeur général des Rôtisseaux Samaro, qui est bien connu dans notre coin parce que c'est de Saint-Cuthbert. Parle-nous un petit peu, justement, l'entreprise maintenant va bien. Et je pense que maintenant, l'implication est vraiment de dire aux gens que c'est une autre source d'ici pour les gens d'ici. C'est bien ça? Effectivement. Amaro a été restructuré en 2013. Depuis ce temps-là, ça va beaucoup mieux. Le monde ne sait pas ou peu de choses à propos d'Amaro. C'est que c'est une des dernières entreprises d'eau de source au Québec qui appartient à des Québécois. Les gens pensent qu'Esca est une compagnie québécoise. L'eau vient d'Abitibi, mais est de propriété américaine. Comme Naya, l'eau vient d'ici, mais de propriété américaine aussi. Même chose pour Labrador qui a été acheté par Cut Beverages il y a 2 ans. Donc, Amaro est la dernière grosse entreprise d'embouteillage encore propriétaire de Québécois. Pourquoi on s'implique aussi au niveau du de la Naudière et tout ça, c'est que, bon, premièrement, on est de la région de la Naudière de Saint-Cuthbert. L'eau est directement puisée à la source, donc il n'y a pas d'intermédiaire de citerne ou quoi que ce soit avec notre eau. On puise et on embouteille directement à l'usine. Ici, ce qu'on essaie de faire, ce qu'on essaie de dire, 90 % de nos volumes sont faits avec des 18 litres, donc des bouteilles réutilisables. Une fois que les bouteilles sont plus bonnes ou sont brisées, on les fait recycler. Donc, jamais il y a de bouteilles qui se retrouvent dans les sites d'enfouissement. 90 % de notre volume. Notre objectif, c'est 100, mais les gens ont de la misère à changer pour la petite bouteille qui est très... Fait qu'aujourd'hui, ou même en fin de semaine, on offre des gourdes que les gens remplissent plusieurs fois, donc il y a beaucoup moins de pollution à ce moment-là. Et ce qu'on essaie de faire, c'est que les 18 litres, on peut remplacer près de 2000 bouteilles juste à l'utilisation du 18 litres de manière fréquente. Donc c'est beaucoup mieux pour l'environnement. Donc on essaie d'informer surtout les gens et de leur dire aussi qu'on livre à domicile et qu'on peut se trouver dans plusieurs dépanneurs ou épiceries au Québec. Bon, ben, je vous remercie beaucoup, puis bonne fin de semaine. Et en terminant notre visite, nous avons rencontré justement les moines, justement, de l'abbaye Val-Notre-Dame à Saint-Jean-de-Matha. Mais cette fois-ci, ce n'était pas pour parler de leur chocolat, de leur fromage. On a parlé des nouveaux produits qu'ils offrent maintenant, des produits forestiers. Nous avons proposé plusieurs choses au niveau de la forêt. Il y a des gens qui sont venus et nous ont dit « Vous avez quand même un trésor au niveau de votre forêt. » C'est-à-dire, quand je dis trésor, c'est des plantes, des champignons, des noix nordiques, etc. Donc, on s'est dit que c'est intéressant de s'y intéresser. Puis au fil du temps, bien, on a cueilli et on s'est un peu approprié là, ce qu'on avait sur la territoire. Votre propriété, autrement dit. C'est ça, on a fait des produits transformés. Puis là, maintenant, on fait beaucoup de culture de champignons. On a un verger de permaculture aussi. On a des cultures de tête de violon, donc tout ça fait partie de nos produits. Ça permet d'avoir une plus grande variété. Et justement, je veux dire, est-ce que cette proportion de nouveaux produits, elle prend beaucoup de plus en plus de l'ampleur? Oui, est-ce que ça vous crée un nouvel achalandage que vous n'aviez pas? Oui, il y a beaucoup de demandes au niveau des produits forestiers parce que c'est des produits qui sont émergents, comme la camerise, par exemple. Les cours d'initiation aux champignons, les gens s'intéressent de plus en plus à ça. C'est un peu un retour à la nature, mais aussi à des produits santé, parce que forcément, quand vous cueillez dans la forêt, ben, c'est complètement organique, végétal, bio. Okay. Et je vois maintenant que vous offrez même des initiations, des formations. Oui. Comment utiliser ces produits forestiers-là maintenant? Oui, tout à fait, parce qu'au début, on faisait l'initiation puis de la cueillette avec les gens, mais là, ils nous demandent ben, comment on peut les cuisiner, tout ça. Donc, on donne des ateliers de cuisine avec les produits forestiers. Donc, on combine les deux, en fait. Bon, bien, je vous remercie beaucoup. Pas seulement, on va aller vous encourager. Merci. Donc, notre journée s'est terminée. Par la suite, on parle de la fameuse épluchette de blé d'Inde qu'organise annuellement M. André Villeneuve. Vous avez pu voir sur les photos que plusieurs gens se sont rassemblés justement pour déguster du bon blé d'Inde d'ici, en profiter pour jaser un petit peu avec André. Et par la suite, en soirée, il y a eu un feu de joie et justement la température s'y prêtait vraiment agréable pour toutes ces activités. Et maintenant, allons à la première pause. Le samedi matin, dès 9h30, nos téléspectateurs sont invités au Super Bingo télévisé diffusé dans le studio de Berthierville. Un montant de 600 $ est disponible chaque semaine lors de cette joute de bingo télévisé. Un animateur et 3 bénévoles se succèdent à la caméra de CTRB dans le but de vous faire passer une petite heure agréable et payante le samedi matin. On peut se procurer les cartes de jeu chez les dépositaires autorisés participants, à Berthierville, le dépanneur Formule 1, rue Gilles Villeneuve, le marché IGA Extra sur la rue Gabriel-Brissette, chez Métro, rue Notre-Dame, la pharmacie Brunet, rue Frontenac, le garage Pétroté sur la rue Gilles Villeneuve, et à Saint-Ignace-de-Loyola, le marché Aldo, rang Saint-Michel, le dépanneur Le Magasin Esso sur le chemin de la Traverse. Un rendez-vous tous les samedis matins
à 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision régionale et communautaire. Aujourd'hui, la FADOC de l'Île-du-Pas désire souhaiter bon anniversaire à Réjeanne Plante et à Christiane Fafard. On vous rappelle aussi notre gagnante du bingo, Mme Noëna Brunel. Elle s'est méritée la somme de 600 $ et notre bingo a lieu, comme toujours, tous les samedis matins à compter de 9h30. Maintenant, on change vraiment de sujet et on a encore une dernière chronique des berges à vous présenter pour la fin de la saison. Je m'appelle Antoine Dréville-Mongeau, je suis technicien en production horticole et environnement. Je suis en ce moment aux études en études de l'environnement à Sherbrooke. Aujourd'hui, on va parler de l'herbe à puce. L'herbe à puce, c'est une plante que beaucoup de gens connaissent, savent qu'est-ce qu'elle fait, mais peu de gens peuvent l'identifier et en fait savoir où la retrouver. L'herbe à puce, c'est une plante verte, une plante herbacée, qui va pousser dans des milieux habituellement qui sont ombragés, avec un petit peu humide, mais pas trop. C'est-à-dire, tu sais, des bas de côte, des milieux proches d'un fossé, des endroits comme ça. Est identifiable par ses trois feuilles. Il y en a deux qui sont opposées et une qui va être dans le centre de ces deux-là. C'est des feuilles qui sont vertes, un petit peu plus pâles en dessous, qui vont finir par un bout pointu. L'herbe à puce est dangereuse parce qu'au moindre contact avec la feuille ou la tige, elle sécrète une substance qui est photosensible, c'est-à-dire que si elle est exposée au soleil, il va y avoir une réaction qui va se produire. Cette réaction-là, c'est une brûlure au deuxième degré pour l'herbe à puce. Donc, on va avoir des cloches d'eau où est-ce que la substance nous a touchés. Il va donc avoir des cloches d'eau qui vont se faire. En dessous de ces cloches d'eau-là se trouve un liquide. Ce liquide-là, dès qu'on brise la cloche d'eau et qu'on en a, mettons, sur nos mains ou que n'importe où d'autre, sur la peau qu'on en reçoit, le liquide est encore contagieux. Donc, si on défait nos cloches d'eau et qu'on répand le liquide sur notre peau, on va donc répandre aussi les cloches d'eau et on peut en avoir sur tout le corps comme ça. Donc, l'herbe à puce est souvent aussi mélangée avec l'herbe à poux. L'herbe à poux est une plante qui va en fait qui est responsable de nombreuses allergies parce qu'elle produit beaucoup de pollen, mais c'est pas une plante qui produit une substance comme l'herbe à puce qui va causer des brûlures. Vous rouler dans l'herbe à poux, c'est pas grave, tant que vous n'êtes pas allergique au pollen, parce qu'elle produit pas de substance qui va causer des brûlures. Donc l'herbe à poux aussi est retrouvée sur les bords de chemin, sur les bords de fossés, elle pousse un peu partout. Puis elle n'est pas dangereuse comparée à l'herbe à puce. Les symptômes allergènes de l'herbe à poux sont causés par le pollen de l'herbe à poux, qui en fait va être disséminé par le vent, par, mettons, si votre chien passe dans de l'herbe à poux, le pollen va s'agripper après son poil, puis quand il va se secouer, ça va le faire partir. Donc, c'est comme ça que l'herbe à poux se propage, puis que c'est comme ça aussi que vous l'ingérez et que vous avez des symptômes, le nez qui coule, les yeux qui piquent et autres. Donc, pour conclure, l'herbe à poux et l'herbe à puce sont deux plantes complètement différentes. Ils font des symptômes complètement différents. L'un est un allergène, l'autre cause des brûlures. Ils ne se ressemblent même pas. L'herbe à poux a des feuilles qui sont beaucoup plus divisées, alors que l'herbe à puce a seulement trois feuilles. Et le contact direct avec celle-ci va causer des brûlures, alors qu'un contact direct avec de l'herbe à poux, ça ne va rien changer. Ils ne se retrouvent même pas à la même place. L'herbe à puce se retrouve dans des coins rocailleux, dans un bas de pente, alors que l'herbe à poux va se retrouver beaucoup plus sur le bord des chemins, sur le bord des fossés, et à d'autres endroits comme ça, vos plates-bandes. Potager et tout ça. Donc, c'était ma dernière capsule. Merci beaucoup de votre écoute. J'espère que ça vous a plu et que ça vous a été utile. Et on va peut-être se retrouver une autre fois. Merci beaucoup, justement, pour ces intéressantes chroniques des berges. Maintenant, aujourd'hui, c'était rentrée scolaire au niveau du cégep de Joliette. Et le cégep de Joliette est fier d'accueillir aujourd'hui, on parle de 908 nouveaux étudiants pour sa session d'automne. Près de 61% des personnes admises sont des femmes, ce qui est similaire aux données enregistrées dans l'ensemble du réseau collégial. Les programmes d'études les plus populaires sont les sciences humaines, profil individu, soins infirmiers, ainsi que les techniques d'éducation spécialisées. Avec toutes ces nouvelles admissions, le
le collège compte quand même 72 étudiants de moins qu'à pareille date l'an dernier. Selon la directrice du Cégep, Hélène Beaulieu, cette situation n'est pas alarmante puisque le nombre de personnes inscrites a surtout diminué dans le programme le Tremplin DEC. Ce programme s'adresse surtout aux personnes désirant réussir les cours préalables à l'admission d'un programme ou à celles désirant préciser leur projet d'études, de préciser justement Mme Beaulieu. Pour souligner la rentrée, les nouveaux venus ont été invités à une journée d'accueil dans laquelle ils ont pu récupérer leur agenda, découvrir leur nouveau milieu de vie et s'informer des nombreux services qui leur sont offerts. Un rallye a également permis à un étudiant de remporter ses frais de scolarité pour la session hiver 2019. C'est en 1968 que le Cégep, justement, a ouvert ses portes et comptait alors 5 départements d'enseignement. Il était fréquenté par 652 étudiants. En 50 ans, le collège a beaucoup évolué et il a surtout su démontrer son engagement envers sa communauté et son projet éducatif. Dans les mois à venir, plusieurs activités seront d'ailleurs organisées pour souligner les 50 ans du collège. Maintenant, on vous parle d'activité, on vous parle de retour justement en classe et on vous reparle par le fait même des activités du CABA. Au niveau du CABA, bien, le retour des cours d'espagnol, ça commencera avec, en date du 26 septembre, il y aura les cours d'espagnol niveau 1 de 18h à 19h30 et le niveau 2 le mercredi, encore là, 26 septembre de 19h30 à 21h. Ce qui caractérise le niveau 2, pour pouvoir y accéder, vous devez avoir au moins suivi le cours niveau 1. Maintenant, il y aura aussi le cours niveau 2 conversation tous les jeudis dès le 27 septembre de 19h à 20h30. Le prérequis pour aller au niveau 2 conversation, avoir suivi le niveau 2 ou avoir justement une bonne base de connaissances de la langue. Les informations complémentaires à savoir concernant ces cours, c'est 100 $ pour une série de 10 cours payables lors du premier cours. Le coût inclut le matériel, le café et les biscuits. Un minimum de 6 inscriptions est requis pour débuter une saison. Maintenant, à la découverte de ces fameuses conférences, justement, pour nous permettre de voyager et qui sont présentées par M. Paul Boudreau, qui est un bénévole du CABA. On vous rappelle que la première activité est le 13 septembre et le titre « Barcelone, cité intense ». Préparez aussi vos crayons, vos aiguilles à crocheter, vos pinceaux. Les lundis CAF Art reviendront justement à compter justement du mois de septembre, à compter du 10 septembre. Encore là, ça sera une façon agréable de se rencontrer pour parler tricot, broderie, scrapbooking, design, mandala. Et encore là, le retour des petites vues. Les petites vues vont recommencer le 5 septembre, mercredi le 5 septembre, avec le film « Avec amour, Simon ». Écoutons justement la bande-annonce du film. On est là! La fête s'est bien passée? Génial! Je mets là de porter un gilet de femme en laine. Prête! Et il est bourré. Oui, des bons parents. Des bons parents. Je m'appelle Simon. Et je suis comme toi. J'ai une famille normale, des amis géniaux, un lycée banal. Qu'est-ce que tu fais? Pas de texto dans les couloirs. Je ne peux pas laisser mes étudiants aller sur Tinder. Ouais. C'est mon domaine. J'ai une vie parfaitement normale. Sauf que j'ai un énorme secret de ouf. Salut. T'as vu le nouveau poste? Je parle de l'élève gay à l'école. Tu crois que c'est qui? Cher Blue, je suis comme toi. Mais personne ne sait que je suis gay. Cher Simon, c'est bon de savoir qu'un autre garçon au lycée partage le même secret. Quand est-ce que tu l'as su? Cher Blue, il y a eu une série de petites choses, comme ma première petite amie. Je crois que je suis amoureuse de toi. Je reviens. Ça n'a pas été mon heure de gloire, j'avoue. T'en as parlé à quelqu'un? Non, Blue, j'en ai parlé à personne. Quoi qu'on en dise, révéler aux autres ce qu'on est terrifiant. Abby, c'est la plus sexy que j'ai jamais vue. C'est pas vraiment mon genre. Pas parce qu'elle est noire. J'adore les femmes noires. Enfin, pas comme... J'adore toutes les femmes. Cher Blue, c'est très injuste que seuls les gays doivent faire leur coming out. Imagine un peu. Il faut que je vous dise quelque chose. Je suis hétéro. J'aime les filles. Quoi, tu veux ma mort? J'aime les mecs. Oh, Seigneur, aide-moi, Jizzy. Regarde tout de suite ton ordinateur. Quelqu'un a publié tes emails sur le blog du lycée. Je regrette, Simon. Je peux plus continuer.
C'est moi qui suis censé décider où, quand, comment et qui le sait. Et comment je dois le dire, c'est quelque chose qui m'appartient. Je suis le genre de personne qui est destinée à aimer tellement une autre personne que ça pourrait me détruire. Moi aussi. C'est comme si je te sentais retenir ta respiration. Tu es toujours toi, Simon. Toi, t'as déjà été amoureux? Je sais pas. Je crois. Cher Blue, je ne sais peut-être ni ton nom, ni à quoi tu ressembles, mais je veux te trouver. J'en peux plus de vivre dans un monde où je peux pas être qui je suis. T'es sorti avec moi parce que tu trouves que je ressemble à un garçon? En fait, j'ai rompu avec toi parce que tu ne ressembles pas à un garçon. D'accord, merci. De rien. Donc, n'a pas manqué ce film, donc Le retour des petites vues au Québec, le mercredi 5 septembre à compter de 13h30. Et comme toujours, l'admission est de 3 $, collation et breuvage inclus. Pour toutes les activités du Québec, n'hésitez pas à téléphoner 450-836-7122. Et maintenant, allons à la deuxième pause. Les télévisions communautaires autonomes du Québec, ce sont les télévisions les plus importantes parce qu'elles sont proches de la communauté. On veut encourager des gens qui parlent de ce qui nous intéresse, mais aussi qui participent au développement local. Mais c'est fini le temps là, où on allait lire une affaire qui a été écrite avant hier au bout du monde. Non! Tu veux savoir ce qui se passe chez vous? Bien, ma télé préférée, c'est la télé autonome communautaire. C'est ici que ça se passe. Aujourd'hui, le 20 août, nous n'avons aucun avis de décès à vous communiquer, donc allons directement à la météo. La météo pour aujourd'hui, encore une température très agréable. On parle d'environ un ressenti de 29 degrés Celsius avec un humidex justement de 59 %. Ce soir, on devrait avoir justement une température un petit peu plus fraîche et justement profiter encore du beau temps. Demain, ensoleillé avec quelques passages nuageux, minimum 19 dans la nuit, maximum 26 dans le jour. On devrait ressentir encore le 26 degrés Celsius et peut-être un petit peu de pluie, faible pluie pour mercredi avec une température oscillant entre 13 et 23 degrés Celsius et le retour du soleil justement avec une température pour jeudi généralement ensoleillée avec un minimum de 15 et un maximum de 24. C'était votre bulletin de nouvelles pour aujourd'hui le 20 août 2018. J'espère que vous avez apprécié votre bulletin et que vous serez des nôtres demain pour une prochaine rencontre. D'ici là, portez-vous bien. Télévisions communautaires autonomes du Québec, ce sont les télévisions les plus importantes parce qu'elles sont proches de la communauté. On veut encourager des gens qui parlent de ce qui nous intéresse, mais aussi qui participent au développement local. Mais c'est fini le temps là, où on allait lire une affaire qui a été écrite avant hier au bout du monde. Non! Tu veux savoir ce qui se passe chez vous? Bien, ma télé préférée, c'est la télé
autonome, communautaire. C'est ici que ça se passe. Lorsque vous circulez en présence d'une machine agricole, soyez vigilant. Vous devez connaître les principales contraintes liées à la conduite d'un tel véhicule pour mieux comprendre ses manœuvres et adopter une conduite sécuritaire. Partager la route, c'est votre responsabilité. Les machines agricoles circulent généralement à moins de 40 km/h. Soyez patient. Elles sont souvent très larges et longues. Elles occupent parfois un peu plus que la largeur de la voie de circulation et peuvent nuire à la visibilité.